Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des énergies de cette pleine lune qui arrive ce dimanche 22 août. Cette pleine lune nous invite vraiment, après avoir nettoyé et libéré le passé, je vous invite d'ailleurs à écouter la vidéo que j'ai partagée hier soir sur la séance pour se libérer des blessures du passé. Eh bien, cette pleine lune nous invite en ce moment, avec ses chiffres, avec son 4, avec son 8, de remettre un cadre, une nouvelle structure, de nous engager vers des nouvelles choses, de venir bâtir les fondations solides de notre nouvelle vie, de ce nouveau départ qui s'annonce. Alors si vous sentez que une nouvelle ère est en train d'arriver pour vous, que vous êtes invité à reconstruire, à reposer les bases solides et les fondations d'une nouvelle vie, cette vidéo est faite pour vous. Alors, cette nouvelle lune, qui aura lieu donc le 22 août, un 4-8 dans une année 5, nous dit quoi? Donc elle est vraiment en alternance entre un 4 et un 8, ce qui est quand même assez intéressant, parce que ce 4 est propulsé par 2-2, le 22. C'est intéressant parce que on nous parle un petit peu de karma, de roue qui tourne, de roue de fortune, de changement, de nouveau départ, mais avec une construction qui s'impose. Je m'explique. Ces derniers temps, on a vu qu'on a fait un nettoyage sur le passé, un nettoyage du karma. On passe vraiment à autre chose, on est en train de grandir. Et la vie nous a invités à nous délester, à nous libérer, à vider notre verre et à couper totalement avec notre passé. Je vous réinvite d'ailleurs à écouter la séance qui est sur ma chaîne YouTube « Se libérer ». Et guérir du passé. Je l'ai diffusé là, ce mercredi soir. Vous pouvez l'écouter pour faire le rituel qui ira très très bien avec cette pleine lune. Et donc, là, les énergies qui sont en train d'arriver, donc toujours pareil, une semaine avant, une semaine après, c'est des premières opportunités, des premiers contacts, des premières petites graines qu'on va vous inviter à planter pour votre nouvelle vie. Pour l'après. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans cette phase de transition, on sent vraiment qu'on lâche le passé, mais qu'au même moment, on a quand même les premiers départs, hein, vraiment les premières petites graines à planter, les premiers zestes, je sais pas, c'est ça qui me vient vraiment de l'avenir qu'on va construire. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à faire un petit peu ce tremplin, de passer d'un côté à un autre. On est en train de vraiment passer avec cette pleine lune de l'autre côté. Mais quand on arrive de cet autre côté, de cette nouvelle vie qui va venir se construire pas à pas, là, on nous demande de venir poser des fondations, construire des bases, mettre un cadre, structurer les choses. Donc, c'est pas une invitation à passer à l'action immédiatement, c'est plutôt une invitation à décider en conscience de là où on veut aller. Donc on peut avoir une vision claire de l'avenir ou plein d'idées qui arrivent, mais dans ce premier temps, la pleine lune va vous inviter à poser les fondations, à venir vraiment créer votre base qui sera une base solide pour l'avenir. Donc en clair, c'est oui, je passe de l'autre côté, je commence à ressentir les prémices de ce changement, de cette nouvelle vie. Je peux, pour certains qui sont visuels, la visualiser, hein, cette nouvelle vie, la voir. Mais on nous dit ne pas aller trop vite. Attention, posez les structures, posez les fondations. Concentrez-vous vraiment sur la base. Même si on a l'image de la maison qu'on veut voir se réaliser, et c'est une métaphore, aujourd'hui, vous êtes invité avec cette pleine lune à construire les fondations, à délimiter votre terrain, votre emplacement. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Donc si vous avez des opportunités, des contrats à faire, des idées à noter, des plannings à réaliser, des tableaux, des objectifs financiers, des prévisionnels, peu importe, des déménagements à organiser, focalisez-vous durant ces deux semaines, pas sur l'action du changement, mais sur la phase préparatoire, la phase d'organisation, de structuration, votre cadre, vos listes, vos idées, vos objectifs, votre vision. Créez-vous peut-être pour cette pleine lune, ce qui me vient là, un petit tableau de vision, pourquoi pas, pour ceux qui sont visuels toujours, avec toutes les images dessus de ce que vous voulez voir pour votre avenir, les objectifs peut-être en termes de chiffres, les objectifs en termes de relations, de contacts, d'émotions que vous voulez vivre, d'état d'esprit. Et faites-vous un petit tableau visuel comme ça où vous mettez dessus tout ce que vous voulez voir pour ces prochaines années. On va pouvoir se concentrer sur l'année qui arrive déjà, sur la prochaine année. Pour commencer, ça peut être très bien parce qu'on va rentrer en année 6, une année qui va être très connectée au cœur aussi, à ce qui nous fait vraiment vibrer, et une année qui va être propice aux choix qui seront valables dans le long terme, aux engagements qu'on prendra avec soi et les autres. Vous verrez que l'année 6 qui va arriver sera une très bonne année,
pour s'engager, voilà, que ça soit en relation, dans un nouveau métier, dans une cause, s'engager envers soi. Et ce qu'on va faire l'année prochaine, normalement, ça va durer très longtemps. Donc, pendant ces 15 jours, on se prépare. Le nouveau départ est en train d'arriver. On peut sentir les deux énergies, hein, le passé un petit peu qui est en train de se libérer et ce nouveau changement qui arrive. On pose les fondations, on crée, on dessine, on structure de la meilleure façon pour nous et on se prépare simplement à changer de vie et à aller vers cette nouvelle vie qui nous ressemble beaucoup plus. Et pour aller plus loin dans cette reconstruction, dans ce nouveau rythme de vie avec la note de vos objectifs, je vous recommande le coffret 21 jours pour activer l'abondance et réaliser ses rêves, qui est un coffret d'accompagnement pendant 21 jours avec des méditations quotidiennes et des exercices d'hypnose aussi pour vraiment remettre un cadre à sa vie, remettre une structure avec une pratique régulière et recadrer nos envies, nos intentions pour être sûr d'aller au meilleur endroit pour nous. Vous verrez, ce coffret est un peu magique parce que on vit avec soi et la structure qu'on veut mettre à notre vie, mais aussi on est guidé par l'univers et vraiment ça, c'est beaucoup plus fluide. On se laisse pousser par les vagues des énergies et c'est un coffret qui est vraiment très efficace pour une restructuration intérieure et pour se reconnecter au monde extérieur. Donc je vous souhaite un très beau passage avec cette pleine lune pour ce nouveau départ, une très belle structuration et une belle organisation intérieure, de poser les meilleures bases solides pour vous et pour votre avenir qui, j'en suis sûre, sera merveilleux. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde.